Je suis très heureuse de vous présenter la note que je publie à la Fondation pour l'innovation politique « Allô, maman, bobo, l'électorat urbain de la gentrification au désenchantement ». Le point de départ de cette note, c'est de prendre le contre-pied d'une grille de lecture qui est devenue dominante aujourd'hui et qui présente l'habitant des grandes villes, l'habitant des métropoles comme une population à part du reste de la France, une forme d'élite urbaine gagnante de la mondialisation et qui se tient bien à l'abri derrière les murs que son capital financier, social, culturel lui permet de dresser. En réalité, cette vision du métropolitain a réussi à s'imposer alors même qu'elle contredit la vie quotidienne de tous ceux qui habitent dans les grandes villes. C'est pour ça que cette note se veut une enquête sur ce qu'on a appelé le malaise urbain et qui vient dresser tous les points d'insécurité et de fragilité des habitants des grandes métropoles. Vous verrez que si l'habitant des métropoles, sur un certain nombre d'indicateurs sociodémographiques, peut être considéré comme étant dans le haut des indicateurs économiques, eh bien la réalité de sa vie quotidienne dessine une élite qui, si elle est une élite, est désenchantée ou du moins est loin d'être triomphante.